Allez, Sophie. Un petit peu d'eau. Jean-Marc. Toi, beaucoup, beaucoup pour que tu grandisses. Les gens sont là. Ah merde, ça goûte. La prochaine fois, t'hésiteras pas à repeindre les murs ou à péter des cloisons, hein. Oh putain, les vitres. Les gens sont là, là. Tiens-moi ça. Les gens sont là. J'arrive. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le coup de vulgarisation. C'est d'abord une vidéo de vulgarisation, mais surtout un coup de gueule. Arnaud, peux-tu me donner ta définition du mot anarchie? C'est le chaos, la loi du plus fort, la loi de la jungle. Donc, dans l'inconscient collectif, l'anarchie, c'est le bordel. Mort aux vaches! Alors, ce merdier là, c'est l'anomie. La quoi? L'anomie, pas l'anarchie. Ça marche. Si tu tapes le mot anarchie dans Google, on te sert deux définitions toutes pourries. Ils disent toutes les deux que c'est le bordel en gros. C'est pas ça les mecs. C'est pas ça. Le mot anarchie, ça vient du grec, ça veut dire absence d'autorité. Ah bah voilà, c'est ce que je dis, c'est le bordel. Et non, puisqu'il y a 150 ans, des penseurs politiques ont clairement défini l'anarchie, c'est-à-dire l'ordre sans maître. Et tu sais que moi, je le fais en 10 secondes de le sans maître, mon pote. L'ordre sans maître, les sociétés sont régies par des règles, mais sans président ni gouvernance. Mais attends, c'est qui décide? Les gens qui décident tous ensemble. Même les débiles? Après, c'est pas moi qui décide. Attends, et toi, tu crois que ça va pas être le bordel, toi? Non, mais t'es naïf. On n'est pas là ni pour en juger, ni pour construire les institutions de la nouvelle république anarchique. J'ai yoga Bikram dans 20 minutes, donc de toute façon, je m'en fous. Les gens sont là, hein. La politesse, c'était juste pour vous donner la vraie définition de ce mot beaucoup trop mal employé. Mais à croire qu'ils font exprès, les mecs. Qu'est-ce que ça t'évoque, une, je sais pas, une société comme ça, un système politique où ce seraient les gens qui seraient souverains dans leur propre pays? Ah, bah le village des Schtroumpfs. Ah, bah non. C'est le grand Schtroumpf qui décide de tout. C'est le grand Schtroumpf. Gargamel, Schtroumpf à lunettes, et tout mis dans la Schtroumpf. C'est vraiment infâme, les mecs. Moi, c'est la démocratie que ça m'évoque. Oh là là, mais n'importe quoi. La démocratie, c'est tu vas voter tous les 5 ans un président et ensuite tu regardes vers 20h sur BFM les résultats. Et puis tu vas pas sur Twitter hein, avant parce que ça, c'est de la triche. Ça, c'est notre démocratie bien de chez nous, ouais. 24 mois d'affinage. Ah, c'est ça l'odeur. C'est ça. Si tu reviens au grec, étymologiquement, c'est quand le démos, hein, donc le peuple, a le kraken, donc le pouvoir. Putain, ça, mon gars, quand il y a le kraken, les gars, ils ont le kraken, tu sais que ça va défoncer la gueule, ça, c'est fou, le kraken. Hein. Bon, faut habiter sous l'eau, évidemment. C'est peut-être pas le moment. Pas le sujet. Pardon. Donc, l'anarchie, c'est beaucoup plus proche de la démocratie directe que du chaos, du désordre ou de la loi de la jungle. Il y en a d'autres Vas-y, envoie des mots, je te dis. Libéralisme et mondialisation. Ça met à genoux les prolétaires et ça fait cramer la planète. Ok, les réformes. C'est censé être positif, mais ça défonce les acquis sociaux. Macron. C'est l'ancien monde, mais en pire. Les aides du Covid. C'est pas des aides, c'est des dédommagements. Ok, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous. On vous recommande fortement le travail de Franck Lepage et de ses amis. Hein, c'est de la rééducation populaire, remettre le sens des mots à l'endroit. Et voilà, c'est tout pour nous. Le coup de vulgarisation, c'est d'abord une vidéo de vulgarisation. Mais surtout, un coup de gueule! Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager la vidéo. Et surtout, abonnez-vous, activez la cloche, tout ça, vous connaissez quoi. Bisous. Alors t'as compris, Arnaud, quand tu parles à tes plantes et que tu leur dis qu'elles poussent de manière anarchique, c'est pas du tout ce que tu voulais dire, en fait. Quoi? Bon, on va revoir la vidéo. Allez, viens. Je veux bien. Chut.